Et les gens, bienvenue sur frappstage.fr ou sur mon blog tissant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu The Outer Worlds. Donc sur PC, c'est un jeu auquel je joue via le Xbox Game Pass PC. Encore une fois, merci à Microsoft de nous fournir des jeux dès la sortie. En termes de choix et de conséquences par rapport à Outer Worlds, il y a beaucoup moins de choix et de conséquences sur Vampire. Mais en fait, il faut savoir que dans Vampire, tu as le choix entre plusieurs races, classes de vampires au début du jeu. Et que le gameplay et la façon de gérer le jeu va changer selon les dialogues, etc. Va changer selon comment tu gères ta fiche de personnage et quel type de personnage tu as choisi. Ce qui fait que, par exemple, il y a des missions que tu vas pouvoir régler sans aucun combat. Là où tu en auras d'autres, avec d'autres personnages, tu vas devoir foncer dans le tas. Et même des fois, en prenant la même race et en posant tes points de... En gros, un seul point sur ta fiche de personnage va peut-être changer complètement ta façon de gérer ta mission. Ça sera toujours plus ou moins le même résultat, mais parce qu'il raconte une histoire plus qui ne te laisse l'adapter à tes choix. Mais il y a quand même un sentiment de gérer ton perso, en fait. Tu vois, tu peux être quelqu'un qui va... Tu as par exemple un premier personnage que tu vas croiser dans la rue, peut-être qu'il va juste te dire oh là j'ai eu un petit accident, ou alors peut-être que tu auras énormément de persuasion et d'intimidation, et tu pourras, ou de séduction, et tu vas pouvoir lui faire faire d'autres choses. Par exemple, avec beaucoup d'intimidation, tu vas peut-être pouvoir lui faire peur, et donc il va le racketter, tu vois. Donc, à un point près, des fois, tu vas avoir des options de dialogue qui vont apparaître en plus ou autre. Là, tu vois, c'est grisé, en fait, dans ce jeu-là. Par exemple, si t'as pas assez de persuasion, ça te marque persuasion, niveau que t'aurais dû avoir, hop. Alors que dans Vampires The Masquerade Bloodlines, si t'as pas mis assez de persuasion, tu l'auras pas le dialogue qui va apparaître. Tu le sauras pas. Et c'est qu'en refaisant le jeu que tu vas dire, ah mais en fait, je pouvais faire autrement. J'avais d'autres options. Tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des quêtes que tu vas pouvoir gérer entièrement en pacifique, ou en discrétion, ou au moins à quand, ou machin, alors que la même quête, avec un autre personnage, ou une autre façon de remplir ton personnage, tu vas être complètement bourrin, en fait. Et tuer tout le monde. C'est pas forcément... C'est la fiche de personnage, c'est ta façon de jouer qui influe. Mais disons qu'il n'y a pas de choix moraux à proprement parler, tu vois. C'est-à-dire que dans une quête, on te dit oui, non, il y a des chances pour que tu ailles quand même faire la quête, sans quoi tu n'avanceras pas dans le jeu. Là, tu peux dire, ah, je m'en fous. Bon, allez, on y va. Allons à Roseway, et je veux bien sûr Ellie et Parvati. Parce que je les aime bien. Félix avec sa pomme d'Éden, là, et Victor. Bon, vous allez me dire, c'est des filles aussi, ça joue. Continuez. Comment ça, les devs ont la même mission que toi? Mais Vampire, c'est l'ambiance qui se trouve très très bonne dans Vampire The Masquerade Bloodlines. No security. Not that I'm complaining. Fait tout nuit. Oh, elle va faire tout noir. Ici mon vaisseau. Ça aurait été trop cool que je puisse le redesigner. Le pire, c'est que ça m'a envie de rejouer à No Man's Sky, ce jeu-là. Juste pour l'aspect vaisseau. C'est du matos pour construire des colonies, ça. On va aller voir. Tu fais ton arrêt virtuel. Bah, disons juste que c'est plus agréable, quoi, quand t'es un mec, d'être accompagné de femmes. Insérer le badge d'identification du capitaine pour initier l'atterrissage. Enfin, ça dépend des gens. Y a quoi par ici? Il y a eu un bruit. J'aime beaucoup leur façon de traiter l'environnement. Là, il est monté à combien, elle a combien? 369. Parfait. Le plaisir de la douleur en plus. Ils sont gentils, ils me donnent des petites choses pour... crocheter. Comment ça encore? Bonsoir, ce live est condamné pour déviance. Veuillez circuler, s'il vous plaît. Il semblerait, ouais, pour No Man's Sky, Adrien. Bonjour.
Ah, je bâille, c'est terrible. Faudrait que je prenne le temps de dormir plus. Alors l'autre chose, les gars, ouais, 6 heures par nuit, ça suffit amplement, ça vous laisse 18 heures dans la journée. Et ben, je dors 7 heures environ, et ben je trouve que c'est pas assez. Qu'est-ce qui lui arrive à elle? Il y a des trucs qui lui ont fait mal? Bon, allons voir. Ah, ça commence bien. Oh mais les dialogues sont tellement sympathiques, savoureux, avec beaucoup plus de dents que nécessaire. N'allez pas me dire que c'est pas joli comme environnement. Quelle idée alpha. Alors, vous savez qu'on joue en difficile et que le jeu est pas simple. Donc on y va quand même. Ah, j'ai pas beaucoup de balles cette arme-là. Peut-être qu'on ferait mieux les laisser tranquilles pour le moment. Bon, ils ont failli me voir, mais c'est pas grave. On verra ça petit à petit, d'accord? Oula. Déjà, regardons à quoi ressemble la carte. Est-ce que c'est grand? Non, c'est pas énorme. On a une baraque ici. Journal. On aille au bout dans le grand bâtiment là-bas. Ok. Va falloir penser à faire un constat là-dedans. Penser à ramasser les munitions, c'est important. Elles partent tellement vite. Contournement, ok. Là, c'est fermé. Par du cartilage. Allez, faut un niveau 40 pour entrer là-dedans. Bonjour. Oh, j'aime tous ces compliments. Armure anti-émeute or. Équipement minier reconstitué. Et du pognon. Ça valait le coup. Ça valait le coup. Coucou Yalix, coucou Kness. Je change d'arme. Aïe. Oui, on l'a fait. Ok, j'ai pas trop pris de dégâts. Ouh, bonjour. Recrue de la sécurité de Cléo. La sécurité n'a pas été très efficace, notez-le. C'est important. Je suis plus efficace que la sécurité de la sécurité. Toc 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 toc, ça c'est bon. Oh, un petit bouquin. Vieux journal, papa, je t'écris en espérant que tu réussisses à revenir ici. Je m'excuse de pas être là pour te recevoir. Ils nous font quitter la ville, tous. Je sais pas où on va. Dans tous les cas, j'espère qu'ils ont un labo aussi sympa que celui de Roseway. On fait du bon travail, on fait de la vraie science pour une fois. Je sais pas pourquoi ils nous font partir et j'ignore quand on se reverra. Papa, rends-moi service et brûle ce journal. J'ai même pas le droit de mentionner le nom Roseway. Selon l'entreprise, cette ville n'a même jamais existé. Je veux pas avoir d'ennui. Ouais, mais ça suffit. Ça suffit pour que ce soit qualifié de FPS. C'est une vue FPS. C'est pas aussi intense qu'un Doom ou autre, mais il n'y a pas besoin que ce soit intense en termes de vue FPS. Enfin, en termes de FPS, pour que ce soit un bon FPS. Moi, ça me va, FPS RPG. Ou alors, au pire, on peut mettre RPG, FPS. Ou un FRPG. Ouais, c'est ça. First Person RPG. Role Player Game. Tu
je ne fais que vous fouiller, ça vous dérange pas, j'espère. Non, il faut le P. FPRPG. FPRPG, ça serait bien. Roswell. Je sais pas, des messificateurs, on va voir en avançant la mission. Hein. Je sais pas. J'en ai absolument aucune idée. Comme je dis, je découvre le jeu aussi, donc... toutes les questions que vous vous posez, je me les pose un petit peu, peut-être un peu aussi. Un peu. Peut-être pas. J'aime aller voir dans les coins. Et là, c'est la ville, ça, là-bas, si je comprends bien. Aïe! Arrête de sauter comme un schtroumpf. Je pense que c'est la ville, ouais. On entend des bruits en fond, là-bas. Colosse, le mec, hein, quand même. Colosse. Waouh, waouh, waouh. Wap, hop, hop. Ah! Normalement, le deuxième truc, ils sont censés faire de l'esquive. Ah, t'es pas mort, pardon. C'est bon? C'est intense, hein. Ça pique un peu. Bon bah ça s'est pas trop mal passé. Pas trop. Mal. Y a quoi par ici du coup? Y a-t-il des gens qui ont été bouffés, qui sont fait bouffer ou Non rien, zut. Zut, j'y ai cru. Cherchons dans les coins. Et je me suis rien fait pour grignoter. Au pire, je pourrais toujours aller me faire réchauffer le plat que je m'étais fait à midi. Cette bile volante, c'est ça. On fait le ménage. Non mais c'est pas ça que je voulais faire. Qu'est-ce qui te prend, Iti? Fais pas ça, arrête. C'est pas une bonne idée. Sauvegarde. Comme ça, j'aurais nettoyé les abords de la cité. Quand on arrive en ville. C'est que ça s'est bien passé, c'est ça. J'aimerais qu'être un cadavre qu'on me fouille ainsi. Ah ouais. C'est dommage de ne pas pouvoir sentir grand chose. On a de vaisseau. Là, il y a une boisson. Et je sais pas ce que c'est que ces trucs, on va voir. Oh! Une idée sauvage. On sauvegarde et on y va. Salut juste Bobab, comment ça va? Oh, comment elle l'a dégommé. C'était efficace, ça me plaît.
Ok, ensuite. Il y a une route qui part par là-bas. En fait, je me déplace aussi parce que mine de rien, ça nous fait apparaître les points de déplacement rapide. Distillerie? Pourquoi? Attends, il y avait une distillerie, je suis passé devant sans la voir? Sérieux? Mais elle est où? Ça me perturbe. Distillerie. Ouais! Ta-da-da-da-da-da-da-da. Ah mais oui. Ah mais oui. Bonjour. Quelqu'un? Mais ils ont saisi l'idée générale. Je prends tout ça, 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 ça. Ça c'est quoi ça? Tapis en vache laineuse. Ah vas-y, on prend. Je prends. Là, une bouteille que je peux prendre aussi. Et du coup, il n'y a rien. Peut-être qu'il y aura une mission ici plus tard, je ne sais pas. Ok, donc il y a bien, bel et bien une distillerie. Pourquoi pas? Le jeu a décidé d'appeler ça une distillerie. Ce sera donc une distillerie. Respectons les développeurs. On dirait des palmiers conifères, c'est rigolo quand même comme principe. Des palmiers conifères. Qui à un moment se serait dit, mais c'est génial! Je trouve ça cool. Genre, tu prends un machin et paf! Alors, sentinelle automatique. Est-ce qu'il m'attaque ou pas? Ah! Linz doit adorer ce genre de choses. Pauvre Linz. Bonjour. C'est un ennemi. On va peut-être faire la quiche peut-être. Mais je lui fais rien en fait. Cette arme est vraiment trop puissante. Bon, c'est bon, vous pouvez relever. Arrêtez de faire les mortes. Je me suis occupé de tout. Ok. Il y en a forcément d'autres qui se planquaient un peu à droite à gauche, non? Ah, c'est bon, je peux l'ouvrir sans utiliser de ressources. Oui, je sais que je suis rapide. Toujours. Non, c'est faux. Je suis tout le contraire de rapide. Je sais pas s'ils peuvent mourir, en tout cas ils peuvent tomber à terre, c'est sûr. Tu prends du blé, tu prends du chocolat et paf! Ça fait des céréales. Allez! Tati biotique. J'avais lu autre chose.
Et maintenant, c'est qui le patron? Mon arme est surpuissante, mais j'ai trop peu de balles. Faudrait que j'en achète plein des munitions. Va falloir que je revende des armures, des machins, des bidules. Ah, les gens meurent! Commandant des corporations, bonjour, bonjour, bonjour. Je ne fais que récupérer vos affaires. En même temps, je vous ai sauvé. Enfin, sauvé, c'est un bien grand mot, je suis d'accord. Mais sauvé quand même. Il est déjà mort quand je suis arrivé. Il n'y avait pas un sniper dans un coin là-haut? J'avais tué. Là. C'était quoi son arme? Inventaire. Ah, c'est tisse des balles lourdes. Ça, c'est légère. Énergie. C'est pour ça que j'avais pris les trois, là, comme ça. 121, 134. Salut David, comment vas-tu? Le jeu est très sympa. Franchement, je l'apprécie énormément. Ça fait m'exploser la figure, vous vous rendez compte? On commence par l'étage. J'ai quand même envie d'explorer là pour l'instant. Allons voir. On verra bien sur quoi on tombe. Alors, terminal. Compte rendu d'expérience. À tout le personnel, veuillez regagner vos postes de travail. Merci de signaler tout comportement anormal ou responsable. Responsable, pardon, de sécurité le plus proche. Une tâche de sang disgracieuse. Pense à la lessive Tatic Léo. Nouveau parfum, fraîcheur citronique. Objectif. Alors, test d'ingestion des fluides raptidon. Raptidon? Objectif, procédure, résultat. Test d'ingestion des fluides de raptidon. Objectif. Déterminer le volume d'acide gastrique de raptidon pouvant être ingéré par un être humain avant l'apparition d'effets secondaires graves. 2. Introduire progressivement une quantité croissante d'acide digestif de raptidon dans la ration du soir de plusieurs employés choisis aléatoirement, puis observer les états de santé général. 3. Millilitres. Nausée et maux de ventre léger, dosage acceptable. Maux de ventre léger et nausée aiguë, dosage acceptable. Maux de ventre aigu, nausée handicapante, vomissement occasionnel, dosage potentiellement dangereux sur le lieu de travail. Cécité temporaire, vomissement fréquent, douleur au-delà du seuil descriptible, dosage dangereux. Et enfin, mort clinique du patient en moins d'une heure, observation des symptômes impossibles. Ok. Non, David. C'est bon, elle a tout su. Relève-toi, chérie. Non, c'est elle qui est tombée. Bonjour. 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 Ah, oh, j'aurais dû tirer là-dessus, ça aurait été trop cool. Faudra raptidon. J'y pense jamais, c'est dommage. Peut-être qu'ils sont tous transformés en raptidon après avoir consommé du raptidon. Laser. Alors, c'est typiquement le truc qui pourrait donner des crises d'épilepsie à des gens, ça. Bonjour. Bonjour, bonjour. Toi, je te récupère, toi, je te récupère. J'aurai plus de place dans l'inventaire. Salut, Sora. Ah bah oui, mais ça fait un moment qu'on a quitté Gridfall, hein. Comment tu vas? Voilà, c'est descriptible. C'est une bonne définition, enfin, présentation de la... de genre de choses. C'est un mec qui va toujours de... C'est ça, voilà. Mais bon, je pense que je suis assez doué pour ne pas mourir tout de suite, maintenant. Ça fait longtemps qu'on n'est pas mort plein de fois. Dit-il alors qu'il est mort plein de fois à la fin de la rediffusion d'hier. De ce matin, tout dépend du point de vue. Il est 22h46, c'est bon. On peut le dire, verrouillage sécurité à tout le personnel, veuillez regagner vos postes de travail. Merci de signaler tout comportement anormal ou responsable. Vous êtes d'humeur irritable, essayez donc les barres chocoleptiques de Tatic Léo. Nouvelle formule contenant 3% de CCN76 véritable. Du Fallout 76.
C'est pour nous rendre encore plus irritables. Et de l'employé. Moi, sauf que j'aime bien, donc faudrait que j'arrête de... Il le faut. Au pire, Sora, au lieu de l'acheter, si t'es sur PC, fonce, il y a le Xbox Game Pass, il coûte pas cher si tu l'as pas utilisé encore. Moi, je joue via le Xbox Game Pass, donc... Toujours bolossé à la moindre occasion. Bah ouais, mais c'est un réflexe alors que j'adore le jeu en fait. Enfin, j'adore, non, j'aime beaucoup. J'adore, ça sera peut-être un petit peu trop. Alors, de Volkova. À tous les employés, j'en ai assez de retirer les éclats d'os des rouages du processeur de culture. C'est la troisième fois en un mois. Je vous préviens, la prochaine le prochain qui se coince la main dans cette fichue machine, je lui colle un rapport. 2. Macha, juste pour info, je vais encore avoir besoin d'une équipe de nettoyage de labo porteur, transférée par Crane A. Ce maudit processeur de culture a encore emporté un doigt d'innocent. Je demande officiellement l'installation de nouveaux volets de sécurité car le modèle actuel détecte uniquement les tissus de raptidons mais pas la peau humaine. C'est tellement inacceptable. Et en plus on perd du temps après. Donc si c'est une perte de temps, c'est qu'il faut changer. Take bets on what shuts him up first. A hungry rat or my backhand. Peut-être quand même l'aider à sortir, non? Ah bah bien sûr. J'ai tiré une fois de trop. Heureusement que je récupère facilement de la vie. Je vous rappelle que je prends tout pour pouvoir tout revendre si possible. Bonjour. Bonjour. Ça, ça me demande rien. Ah, ça m'embête de leur changer de vêtements. Je les trouve classe dans leurs vêtements de base. Non, non, je trompe. On les voit plus. Bon, elles sont clairement mieux protégées, hein, mais on les voit plus. Je trouve ça super triste. Non, non, enlève. Non mais enlève. Ouais, ça fait savon fou. Mais comment je fais pour enlever? Tu vois, à partir du moment où j'ai mis un casque, on peut plus l'enlever? Bon, c'est clairement moins sexy, mais on va leur laisser ça. Ah si, on voit comment encore leur visage, c'est bon. Ça passe. C'est moins sexy, par contre. Mais non, mais j'ai envie de t'enlever ça, moi, c'est moche. Comment on fait? Non. On peut pas enlever un truc qu'on a mis à quelqu'un? Comment on fait? Ils sont pas là pour être sexy. Mais c'est mieux quand c'est sexy. Ce ne sont pas les choses utiles. Mais c'est mieux. Enfin, je sais pas. Tu vois, c'est comme dans tous les jeux vidéo. Je préfère avoir un personnage qui a la classe dans son truc que... Parce que ça, c'est pas classe. Ça fait juste grosse armure chiante. On va se mettre d'accord. C'est mieux quand c'est sexy. Quand t'as l'impression que... Attends, ça, c'est quoi, ça? Tu as ça déjà, c'est mieux.
Ça, c'est classe. Ça fait pas classe. J'aime pas qu'était son équipement de base, elle. Non. 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 Ah, c'est un bleu de travail. Ouais, mais bon, tant pis. Mais c'est ça que j'aimerais bien enlever, là. Comment je fais pour l'enlever? Oui. Sexy et classe, ça fonctionne ensemble. Quand t'es classe, t'es sexy. Et quand t'es sexy, t'es classe. Stylé aussi, tu peux utiliser comme mot. Alors, Parvati. Mais du coup, je fais comment? Comment je fais pour enlever ces lunettes dégueulasses? T'en as quoi comme casque qui a vraiment un intérêt? Tiens, 26 d'armure. Ah, ça me déçoit! Tu veux dire qu'on peut pas les équiper? Mais pas le contraire. Si! C'est tout des synonymes, tout ça. Classe, sexy, stylé. Moi, ça, j'aime pas comme style. Je trouve pas ça cool. Grosse armure, comme ça. Ça fait... Oh là là, j'ai peur. Alors, Master Chief, ça lui va bien. Moi, ça me va bien. Tu vois? Parce que ça ressemble au Master Chief. Mais je fais comment pour l'enlever? Est-ce que là, on voit encore son visage? Sérieux, je peux pas lui enlever son équipement. M'en fous, j'ai appuyé sur toutes les touches. Ah, c'était pas la bonne. Pas non plus. Pas non plus. Donc en fait, à partir du moment où je lui ai mis un truc, je peux plus l'enlever. Mais quelle est cette arnaque? J'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Ils sont pas là pour être sexy. Mais c'est mieux quand c'est sexy. Ce ne sont pas les choses utiles. Mais c'est mieux. C'est terrible. Saleté. Du coup, on va aller par là. Mais ça m'embête. Ah, c'est bon, c'est l'enlève. Ah, mais en fait, si ça leur enlève, c'est bon, vas-y. Tranquille, vas-y, mets un casque. 26, tiens. Ellie. Attends, on va réessayer. Fais voir. Yes, ça fonctionne en fait, mais c'est trop cool, c'est bon. En fait, ça me va, c'est vrai, tout va bien. Qu'est-ce que vous pensez de Félix, ce petit nouveau? Elle a la gentillesse d'enlever son casque. Ça me fera un souvenir du fou rire. Pourquoi? Ça t'a fait rire à ce point-là? Dieu nous protège. Non, mais sérieusement, c'est chiant de parler à un casque. Je veux dire, et puis, ils ont des jolis visages, les persos, je trouverais ça triste, les... Oui, j'ai beaucoup ri. Salut Master Ryu! Qu'est-ce que j'ai raté? Elle qui se bourre la gueule. Et qui se pose des questions sur si elle doit lancer sa relation avec la dame qui gère le vaisseau, Jen... Je me souviens... Jen... Bah, j'ai oublié son nom. Je croyais que vous n'aimiez pas les étrangers. Got a good feeling about him, is all. I mean, sure, he's a bit rough around the edges. I bet he just needs somebody to show him a better path. À chaque fois, j'ai l'impression d'entendre la doubleuse de Chloé dans Life is Strange. Et vous pensez sincèrement que je suis la bonne personne pour ça? Vous êtes en train de me dire que je pourrais le dompter? Une paire de gros bras, ça peut toujours servir. Un petit un. You might surprise yourself. C'est gentil. Ouais, tu vois, regarde, c'est impersonnel, ça.
Bonjour. Something on your mind? Pas grave. Ça me coûte rien. Did someone lift the lockdown? Moi, je suis un professionnel. Je viens vous sauver. Ou vous tuer au choix. Toc, ça c'est à moi. 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 On va lui parler. On va d'abord enlever l'arme parce qu'il a pas l'air un peu apeuré. Bonjour. What? How the hell did you get in here? Ah, je suis un professionnel. J'ai abattu les raptidons et j'ai monté l'escalier et j'assure en infiltration. Ou alors les raptis ne voient rien du tout. C'est comme vous préférez, ils sont tous morts, donc quelle importance, venez, on s'en va. J'ai abattu les raptidons. Non, pas... Je ne m'en soucie pas des bêtes. Je m'en soucie de la porte de l'arrière. C'est une egregious breach de protocole. Comment vous êtes-vous? Si le reine n'est pas d'accord, bah tant pis. Je ne demande pas son avis de toute façon. Dompter une paire de gros bras. Mais bras en anglais, c'est autre chose, non? Moi j'aime bien aussi la réponse, hein, donc vas-y. Damnable beasts. At least I'm not trapped here anymore. I'll see you back at town. Donc il y a bien une vie encore. Prenez soin de vous. Ah! Prenez soin de vous! À croire que ce jeu me connaît. Bon, allez, hop. Non, il n'y a pas. Attends, c'est anciennement une porte qui a été bloquée, ça? Ou c'est juste une décoration sur le mur? Bon, qu'est-ce que j'aurais raté, ça? On a visité. Salut! Oh, des petits machins. Donc, je peux rentrer par là. Ok. Bonjour. Heureusement qu'il vise aussi bien que moi. Hein. Je crois qu'il essaie de nous rejoindre. Mais non! Ils sont tous KO, j'en reviens pas. Pas morte, toi? Ces gens qui revivent comme ça sans se poser de questions. Oh là! Aucun respect, bruit des maraudeurs. Il y avait des maraudeurs. Donc peut-être que c'est les maraudeurs le problème dans cette zone-ci. Hein. Bonjour? Ils ont peut-être aussi attaqué par là. En passant par là, ok. Ils ont défoncé les toilettes. C'était une journée sans ce jour-là. Ça, je prends tout, ça, je prends tout. Je me dis qu'à un moment ou à un autre, je vais bien me retrouver avec un système qui va me dire... Oh! Et il y avait encore des trucs explosifs que j'ai pas utilisés. Voilà! Qu'on se le dise. C'est ce qui s'appelle être à côté de la plaque. Toc, toc. Je viens de me rendre compte que je me suis jeté sur les céréales. Bon, ça peut s'ouvrir tranquille. Nice! Oui, je sais, merci. Je suis un être exceptionnel. Chut! Vous avez pas à dire le contraire. On appelle ça de la censure. Ensuite... Alors pourquoi lui a-t-il tenté de partir par là, à la base? Y'a quoi par là, à part des gens morts? Bonjour, gens morts. Bonjour, gens morts. Oh! Bonjour. Je me baladais sur l'avenue... Le...
C'est moi là. Par contre, il y a un truc qui cloche là, je pense, non? Non, c'est bon en fait, tout va bien. Tout va bien, c'est moi qui craque. Reprendre. Bonjour, bonjour. Toi, je te pique. Putain de raptidon. Toi, je récupère. Toi, je récupère. C'est bien parce que je récupère quand même des notions de... Pas des notions, des réserves de son à chaque fois. C'est plutôt pratique, on va pas se mentir. On a combien? 166 ou 190, il faudra qu'on fasse du vide. On va essayer de se faire du pognon, comme ça on pourra améliorer nos armes et continuer à tuer celles que j'aime bien. Il faut que j'achète des munitions aussi. Donc je n'étais pas passé par là. C'est bon, on fait demi-tour les filles. On revient. Il y avait les Claudettes. On va pas les appeler E-Tête, ça marche pas. Bonjour! Oh, mais t'es mort! Laisse-moi fouiller ton cadavre! Piller, pardon. Ce serait un terme peut-être plus approprié. J'aurais besoin de plein de munitions lourdes, ça vous dérange pas? J'appuie tellement de fois sur eux. L'homme de sécurité. Toc, ça je prends. Patch à pipe. Oh, allez! Bien craft. Utilisez ça. Donc, verrouillage sécurité à tout personnel, veuillez regagner votre vos postes de travail, merci de signer tout comportement anormal au responsable de sécurité le plus proche. Vous êtes d'humeur irritable? Non, mais on s'en connaît. Porte de couloir verrouillée. Comme l'agent, comme l'imposte de protocole, tout accès non autorisé sera considéré dans le registre du superviseur Crane. Ah. Idée de l'employé, non, non. Nom de l'employé, Porter Ruben, projet chef de sécurité du site. Porter Ruben, il faut changer le code d'accès de l'armurerie dans l'espace de stockage. Un truc compliqué, histoire qu'Orson ne vienne pas fourrer son nez dedans. Et surtout, évitez de le noter dans un coin cette fois, utilise la cervelle. 2. Alors voilà, je te propose dans cet ordre, le mois de ton anniversaire. 1. Le nombre de rotations qu'on doit faire toutes les heures. 2. Le nombre d'accidents causés par cette saloperie de processeur de culture ce mois-ci. 3. Le volume maximum d'acide digestif de raptidon en millilitres qu'un être humain peut ingérer avant que son pronostic vital ne soit engagé. 4. 3. Ça me semble pas mal, merci. 1, 2, 3, 4. Vous avez tenu le code d'accès. Tada, 3, 4. Tu vas voir. Toc, toc, toc. Mais t'es où l'ascenseur? Ça, c'est du mot de passe. Salut Paracels, le jeu c'est The Outer Worlds. Donc sur PC. Un jeu qui a été fait par les développeurs de Fallout New Vegas. Il était où l'ascenseur? Si c'est un code d'ascenseur, machin chose. Ça sort seulement à l'extérieur, oui. Ah mais c'est ça l'ascenseur, d'accord. Attends 30 secondes. Si l'ascenseur est là. Ça, ça sort à l'extérieur. Donc je sais pas où est-ce qu'il menait l'ascenseur. Donc peut-être qu'il permettait de descendre. Et pas de monter. Dans des labos. Bon, il est un peu en putain d'état, donc ça sert à rien. Pourquoi ça a autant de mal, donc, à Sarissan? Ah, c'est KPD, c'est pour ça. Bah, oui. Bonsoir, ce live est condamné pour déviance. Veuillez circuler, s'il vous plaît. J'ai pas du tout vu Borsman, déjà. Parce que je sais pas écrire. Mais non! Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que tu racontes? Et la bouteille qui vient d'essayer de communiquer. Last of them.
Est-ce qu'on ne devrait pas appeler ça du professionnalisme, hein? Encore. Pour pas changer. Quand on est doué, on est doué. Sauf qu'il y a encore un truc explosif qui m'ont pas mis tous les tuyaux en même temps. Et je n'aurais rien vu. Bonjour. Casque. Ramasse les pistolets. Ah! Apparemment, il y a du sang partout déjà ici. Mais surtout, chose que vous pouvez remarquer, celui-ci s'est fait rouler dessus par ce truc-là. Enfin, ou inversement, je sais pas. Oh, encore des cadavres. Bonjour, monsieur le décapité. Ah, ça y est, je suis en surpoids, zut. Vas-y, craftons des trucs. Genre, ça là, ça sert à rien. Voilà. 140 balles lourdes. Il faut... J'aurais dû en acheter pendant que j'étais là-bas, en fait. Parce qu'on sait jamais sur quoi je vais tomber. C'est un peu ça, le problème. Qu'y a-t-il de l'autre côté de cette vallée? Il y a... Oh... Oh... Qu'est-ce que ceci? Eh ben, vous le saurez dans la prochaine rediffusion. Comment ça, encore? Comment ça? Du coup, j'espère que cette rediff vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos de camarades filmeurs sur frappesjeux.fr. Passez une agréable fin de journée. Prenez soin de vous. Et à ciao tout le monde, du moins à tout de suite pour la suite du live et l'enchaînement d'une nouvelle rediffusion. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant quelques secondes. J'allais plonger ma main dans les céréales. On va attendre que la fin de la rediff ait vraiment lieu. A tout de suite. Pum 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 p